Yo tout le monde, c'est Enzo Fedivideo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors, une vidéo sur la piscine, mais désolé, donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéo pour ce week-end parce que j'ai oublié. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, ok? J'avais pas de thème aussi. Alors si t'as un thème de vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Tu gagneras peut-être. Rien. Ok? Trop cool. Le mec qui fait un défi où tu gagnes rien. C'est comme les profs! Bon, revenons à la vidéo sur la piscine. Ok, donc la piscine à l'école bien sûr parce que voilà. À l'école c'est les vestiaires, vous savez, garçon avec garçon et fille avec fille. Ça j'ai rien contre. Hein. Je sais qu'elle va pas nous mettre avec les filles la prof. Moi qu'elle soit conne, mais je sais pas, je crois pas. Ou pas. Tu verras bien. Non, elle est pas conne. Ok. Alors, c'est les vestiaires où il n'y a pas de vestiaire, juste à toi tout seul. Tu vois, moi, ouais, cool la piscine, ouais. J'ai pas une vestiaire moi là. Alors, je t'essaye de te cacher là, tu vois, avec ta serviette. Il y a bien des cons qui prennent ta serviette et cap. Si tu veux. Ok. Deuxième chose, c'est quand t'es petit, tu vois les grands aller à la piscine et qu'ils te disent, ouais, c'est nul la piscine, n'y va pas. Bah tu dis, ben non, c'est trop bien la piscine. Sauf que je te dis, n'y va pas. Tu vas pas faire mumuse avec une petite frite là. C'est pas une frite pour bouffer, attention. Mumuse avec ta petite frite là. Ou avec un ballon. Tiens, tiens. Ça, c'est le dernier jour. Enfin. C'était. Mais parce qu'on n'a plus le droit de faire ça dernier jour. Parce que c'est ce que notre prof de français a dit. Ouais, je crois, ouais. Enfin, bref. Ouais, donc tu fais pas mumuse, ok? Donc la piscine, c'est aller-retour. Ouais, ok. Alors moi, je suis asthmatique, alors. Tu vas bien, quoi. Au bout d'un aller-retour, je suis crevée. Alors imagine, tu dois faire presque 10 par séance. Ouais. 10 par séance. Et ouais. Et puis quand ils t'apprennent à plonger. Bon, quand tu sais, c'est bien, mais après, quand tu sais pas. T'as un petit peu mal au ventre après. Tu vois, un petit peu. Beaucoup. Oui, le mec il croit que tu fais ça, hop. Ça y est, tu plonges, mais non. La tête la première, mon petit. Sinon, t'as mal au. Ça a abdos. Enfin, c'est en or, hein, parce que qui dit piscine dit abdos. Et qui dit abdos dit piscine. Et qui dit pas d'abdos dit gros con. Ouais, le mec qui va à la piscine et qui a pas d'abdos, tous les mecs qui ont des abdos, ils vont dire oh, regardez le mec là, il a pas d'abdos. Mais les mecs qui ont pas d'abdos, c'est souvent ceux qui nagent le mieux, tu vois. Il y avait deux gros à la piscine et putain, qu'est-ce qu'ils nageaient vite. Ils plongeaient. Tu vois, tu crois que ça va. Tu vas exploser quand il va plonger. Mais non. Tranquille. Ça fait splou. Comme une chiasse qui tombe dans. Bon. Ok, ça n'a rien à voir. Mais ça fait plouc comme. Non, oula. Ok. Tu vois quoi, tu vois le délire. Mais bon. La piscine. Je vais pas faire la phrase de prof, hein, attention. La piscine, c'est trop nul. Surtout quand tu vas avec l'école. Tu crois que je vais dire le gros mot? Eh ben non. Non, je dis pas le grand mot. Hein. Purée. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Oui, je t'ai eu. Bon, enfin bref. La piscine avec l'école, c'est nul. Mais la piscine quand t'es tout seul, là c'est mieux. Enfin, tout seul. Avec tes copains, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux prendre une balle et. Poum! Ou alors avec le centre. Ça aussi, c'est bien. Sauf que. Avec le centre. Tu te fais défoncer, ok?
parle plus grand que toi. Prennent ma tête et... En fait, c'est celle de tout le monde.